Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup à dire sur la figure de saint Paul et sur sa conversion. J'aimerais que nous méditions sur trois choses. D'abord, comment a été sa conversion? Ensuite, à qui s'est-il converti? Et enfin, qu'a-t-il fait après la conversion? C'est sur ces trois points que j'aimerais méditer dans cette homélie. Saint Paul lui-même nous raconte dans la première lecture que nous avons lue aujourd'hui comment a été sa conversion. Elle a été une rencontre auditive, une audition, mais aussi une vision qui n'était pas une audition parce qu'il a écouté. Il a écouté un reproche. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a écouté que le Christ parlait. Le Christ lui faisait un reproche. Et si le Christ parlait, alors ça veut dire qu'il était vivant. Donc, le Christ est vivant et c'est la première chose que saint Paul comprend. Celui qui est mort il y a quelques années, celui dont je persécute les disciples, il est vivant. L'histoire de la résurrection racontée par ses disciples, les apôtres, est une histoire vraie. Il est vivant. Et le Christ ici s'identifie avec ses disciples. Le Christ ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» Il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Le Seigneur est présent dans ceux-là qui souffrent pour son nom, dans ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. « Pourquoi me persécutes-tu » demande-t-il à ceux qui, au nom de je ne sais quoi, persécute les chrétiens. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi persécutes-tu le Christ? Pourquoi n'ouvres-tu pas la porte à l'évangélisation? Pourquoi me persécutes-tu? Quelqu'un qui était mort il y a quelque temps parlait à cet homme persécuteur des chrétiens. Lui-même, il le reconnaît. Il était un grand persécuteur et peut-être il faut comprendre le contexte et la personne de Saul, un pharisien, fervent, croyant juif. Il fallait défendre cette religion qui était la religion de ses amours, la religion de ses parents. Il fallait la défendre et parler dans ce contexte d'une autre religion, d'une personne qui est ressuscitée et qui était Dieu. C'était, pour la rame des pharisiens, un blasphème. Il fallait défendre la religion de leurs parents. Alors, ce Paul, ce Saul, qui était un grand persécuteur, écoute cette voix
Et cette voix qui s'identifie à cela qu'il est en train de persécuter, le Christ est vivant. Le Christ est surtout vivant dans ceux-là qui sont persécutés à cause de son nom. Mais qu'a-t-il vu? Parce que si nous disons que c'était une audition et une vision, qu'a-t-il vu? Il n'a rien vu, au contraire. Il ne voyait rien, nous dit-il dans la première lecture. Il ne voyait rien. Une lumière qui l'a rendu temporellement aveugle. Cette lumière était la plénitude de la révélation. Cet homme, grand défenseur de la religion juive, découvre que le Christ est la plénitude de la révélation, que le Christ est celui-là que le peuple d'Israël attendait, le Messie tant attendu. Le voici qui se révèle et Saul reconnaît en lui, par la lumière qui l'aveugle temporellement, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a entendu. Une voix, un vivant, il a rencontré quelqu'un de vivant et quelqu'un qui, pour lui, a changé sa vie. Quelqu'un qui a été la lumière pleine, quelqu'un qui lui a donné ce chemin qu'il est, quelqu'un qui lui a donné la lumière. Mais que fait Paul ensuite? Il est tombé amoureux, amoureux du Christ, amoureux d'un amour très profond, un amour qui l'amène même à vouloir la mort pour être avec le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir, un avantage, dit-il dans sa lettre aux Philippiens. Mais pourquoi tomber amoureux de quelqu'un dont on persécute les disciples? Parce qu'il était vivant, parce que le Christ était vivant. Paul ne tombe pas amoureux d'une idée. Paul ne tombe pas amoureux d'un message. Et le fait que Jésus soit vivant signifiait qu'il y avait vie éternelle. Paul tombe amoureux d'une personne vivante, de Jésus-Christ. Paul ne tombe pas amoureux des disciples. Paul tombe amoureux du Christ. Et avec le Christ, il veut être, même s'il faut donner sa vie, un avantage mourir, parce que je serai avec le Christ, parce qu'il y a vie éternelle. Si je suis amoureux du Christ, alors la mort pour moi est un avantage, parce que je serai avec celui-là. Demandons-nous nous aussi. Sommes-nous vraiment amoureux du Christ? Parce qu'être chrétien, c'est être amoureux de celui dont on porte le nom, Christ. Posons-nous cette question. Jeune qui se prépare à entrer dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, es-tu amoureux du Christ? Es-tu vraiment rempli de ce feu d'amour envers le Christ? Posons-nous cette question, chers frères et sœurs. Prêtre déjà ordonné, es-tu vraiment amoureux de celui-là à qui tu dois transmettre, à celui-là dont le message est celui que tu dois transmettre? Es-tu vraiment amoureux du Christ? Chrétien baptisé, est-ce que tu brûles d'amour pour celui-là dont tu parles, tu portes le nom? Catholique, soyons amoureux du Christ. N'ayons pas honte de dire « Jésus, je t'aime », parce que c'est ce « je t'aime » qui doit porter notre vie de chrétien. Si nous n'aimons pas Jésus-Christ, alors nous sommes des hypocrites. Nous venons à lui seulement pour demander. Ce qui doit brûler en nous, c'est ce profond amour qu'a eu Saint Paul après sa conversion. Il a été profondément amoureux du Christ. Si le Christ n'est pas le premier dans nos vies, si nous ne sommes pas pleinement amoureux du Christ,
Alors, notre foi est vaine. Notre foi est un théâtre. C'est une farce. Posons-nous la question, si vraiment nous sommes amoureux de celui-là, à qui nous suivons, à qui nous portons le nom. Pour toi, Seigneur, par amour pour toi, par gratitude pour ce que tu as fait pour moi, par amour, Saint Paul s'est converti à Jésus, à une personne, et est tombé amoureux. Mais qu'a-t-il fait après sa conversion? L'évangile que nous avons lu aujourd'hui nous parle de Jésus qui envoie ses apôtres à transmettre le message, la bonne nouvelle dans le monde entier, aller dans le monde, proclamer l'évangile à toute la création. Après avoir connu le Christ, ce que nous devons faire, c'est sortir, nous lever et aller annoncer ce Christ, aller annoncer cet amour à ceux-là qui ont besoin d'écouter, d'entendre parler du Christ. Allons évangéliser. L'évangélisation, je le dis, je l'ai toujours dit, est une question de nous tous. Ce n'est pas seulement une question de religion et de prêtre. Prédication, l'évangélisation est une question de tous les chrétiens baptisés. Parce que le baptême nous donne aussi ce pouvoir d'aller parler du Christ, d'aller annoncer le Christ. Mais il y a un préalable. Si nous ne sommes pas amoureux de notre Seigneur, nous ne pouvons pas parler de lui. Si nous n'avons pas connu la personne, pas le message, pas l'idée, mais si nous n'avons pas eu cette rencontre personnelle avec le Christ, alors nous ne pourrons pas parler de lui parce que nous ne le connaissons pas. C'est si simple que ça. Si nous n'avons pas eu cette rencontre avec notre Seigneur, si nous ne sommes pas tombés amoureux de lui, alors nous ne pourrons pas parler de lui. Nous ne pourrons pas proclamer la bonne nouvelle. Ce que la conversion de Saint Paul nous enseigne, chers frères et sœurs, c'est que le Christ se manifeste en nous. Et ce qu'il nous demande, c'est une relation personnelle. Le christianisme, c'est cela, une rencontre entre un moi et un toi. Une rencontre entre Dieu et une personne, la personne que je suis. Et Dieu nous demande, après cette rencontre, après cet amour que nous construisons avec lui, il nous demande de nous lever, de sortir, parce que conversion signifie aussi sortir de soi, montrer au monde entier que nous sommes tombés amoureux de celui-là qui nous a sauvés. Conversion, tomber amoureux d'une personne, mais se lever et aller proclamer cet amour-là qui est Jésus-Christ. Aimer le Seigneur et le faire aimer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.